Allez. Ce chiour de Torah, messieurs, ce chiour de Torah de ce matin, mardi matin, Hanouka, Boker Tov, Olive, Olivier, je t'attends pour David Edouard Ben Claire. Des fois chez les Mahabishar Kol Hole Amecha Israël, que ce limouda Torah d'aujourd'hui soit pour lui Amen Keni Ratson. J'avertis qu'il y a un peu de bruit dans. Ah là, il fait froid dehors. Donc, on est resté à l'intérieur. Mais en intérieur, j'explique à tous ceux qui nous rejoignent que. Approchez-vous. C'est qu'il y a plusieurs cours par plusieurs rabbanim dans le même endroit. Donc, il y a un peu de bruit. C'est la différence entre quand on fait le cours à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on le fait à l'intérieur. Pour la bracha et la tzlacha de tous ceux qui se rejoignent à nous, la réussite, une bonne journée. Venez vous asseoir. Avi Yitzhak Yosef Ben Dvora, Avi Yitzhak Yosef Ben Dvora, Refuah Shelema, Bishar Kol Hole Amecha Yisrael, Kadosh Baruch Hu lui envoie un miracle, Amen Keni Ratzon. Il ramène ici le Rav une chose qui est très importante. Je vais essayer de rester calme. Venez vous asseoir, venez. Olivier, venez. Je vais essayer de rester calme. C'est peut-être pas un cours qui vous concerne à vous, Baruch Hashem. Non, mais quand même tu restes. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam Shehakol Nehiyah Bidvaro. Amen. Il aborde la problématique de la Parnassa d'une façon très claire. Il dit, regardez, nous aujourd'hui, on a un problème avec ce qu'on appelle Himurim. Himurim, c'est les jeux d'argent. Les jeux d'argent. Hem davar ra meod. Ça, c'est une chose. Hein. Ouais, je joue pas. Je fais une partie de poker, une partie de truc. Hem davar ra meod. Vous allez voir pourquoi. Pas simplement parce que c'est davar ra, parce que c'est mauvais. Je dis pourquoi c'est mauvais, tu vas voir. Et là, tu vas comprendre un peu la Emouna dans la Parnassa. Hem gormim lefsedim gdolim. Ils amènent de très grandes pertes. Vechen kayam chashash retsini. Et il y a aussi une grande peur dans ça. Shadam itmaker lahem. Qu'une personne va devenir dépendante. Je répète. Il y a de grandes pertes. Tu deviens dépendant. On devient dépendant parce que tous les joueurs te diront que l'adrénaline qu'il y a avec le jeu, c'est quelque chose d'épouvantable. Et que s'ils ne jouent pas, ils peuvent mourir. Et vous devez le savoir. Écoutez-moi bien. Que quelqu'un qui tombe dans le jeu, caché l'oligamel mehem yoter mikol shar hahit makruyot, il est plus difficile de se séparer de ce satan qui s'appelle le jeu beaucoup plus que tous les autres dépendances. Plus que la drogue. Plus que tous les autres dépendances. Il dit, Tofazo, cette chose qui se passe aujourd'hui dans le monde nous apprend Al-Khosermi. Yesod ba'emuna. Il nous manque la base de l'aïmouna. Le joueur, il lui manque la base de l'aïmouna. Ceux qui pensent que jouer, c'est normal, c'est bien, ça fait partie de la vie, c'est un kiff. On perd de l'argent, c'est pas grave, et c'est comme ça la vie. Surtout si j'en ai de l'argent, etc. Il te dit, c'est un manque de aïmouna flagrant. On va voir. Oui, non, il parle de ça. Non, je pense pas qu'il y a un problème par rapport à ça, on le verra. 2 minutes. Tavata imurim, novaat meavat la kesef. Ce vice qui s'appelle le jeu, vient d'abord, il dit premièrement, mais avat la kesef. Celui qui aime l'argent. Moi, je pense qu'il y a ça, il n'y a pas que ça. Il y a aimer l'argent et il y a tomber aussi.
Parce qu'un jour, on t'a pris, on t'a amené, ou etc., et tu as commencé. Et là, tu deviens dépendant. Mais il y a aussi Ahavat HaKesef. Certainement qu'il y a aussi l'amour de l'argent, ici, à travers ça. Il y a l'amour de l'argent que tu as perdu, que tu veux récupérer, que tu veux gagner. Amavira et Adam al dato ve al dat kono. Elle lui enlève complètement l'esprit, son esprit d'analyse, et il n'a plus de lien avec Dieu. Ve'okeret mimeno et kola emet. Elle lui déracine de lui toute la vérité. Ve'eta emuna et toute la foi. Be'ashgachat Hashem, que Dieu s'occupe de nous, que Dieu est avec nous. Tout ça s'en va. Pourquoi? Il dit à Imorim, écoutez-moi bien, le jeu. Nirim kederer kala l'arviar srumim gdolim. Ça a l'air d'être une façon très rapide et facile de gagner beaucoup d'argent. Oulam, zobe emet derer kasha meod. C'est l'un des chemins les plus durs. Hamivia et à Adam. Elle va amener cet homme, vet kolkerovav, et tous ses proches, les chayim koshim, à une vie très dure, ou marim et amer, mineso. Insupportable. Ça a l'air, de prime abord, quelque chose de facile. Je vais, je joue, je gagne de l'argent. Elle va te faire rentrer, toi, ta famille, dans une vie très dure. Aïmorim, mais ça rime et drôche chez la ben Adam. Il dit, ça te fait tourner la tête. Les jeux font tourner la tête, c'est la première des choses. C'est vrai, il y a l'adrénaline, il y a le moment. Ce moment, il est fort. Elle te fait tourner ta tête complètement. Parce que le Yetzerara fera toujours que tu verras sur une table des personnes gagner beaucoup d'argent. Ça, tu le verras tout le temps. Parce que c'est ça ce qu'il dit le joueur. Qu'est-ce qu'il dit le joueur? Mais hier, il y a un type, il a gagné 100 000. Il a gagné 100 000. Je l'ai vu devant moi. Le Yetzerara va faire que tu vas voir des personnes qui vont gagner. Et tout celui qui les voit, il dit, Ochel. Non, il te dit, Ochel et Alev. Il a, son cœur se ronge. Ou Matril, l'Ivorbo Adimion. Et d'un seul coup, est en train de se. De, le Dimion, comment on dit le Dimion? L'illusion est en train de brûler à l'intérieur de lui. Chez Beparama Baaou Yarviar, que la prochaine fois, il va gagner. Je vais me refaire. C'est sûr que je vais. Là, je le sens ce soir. Je vais me refaire. Vekarou Nichnas Nisichou. Et il rentre dans un vertige. Ou mes basbez, Beshaot Meratot Sru Meratek. Et donc, en quelques heures, il dépense des sommes fabuleuses. Sharamal Viagar Bela Sigab. Qui s'est beaucoup fatigué pour les avoir, ces sommes d'argent. Il s'est très fatigué. Beshayayachol Asot Beharbe Bahem Arbe Dvarim Riouvim. Il aurait pu faire tellement de choses belles avec cet argent. Tellement de choses belles avec cet argent. Ne. Regardez, je suis en train de parler de quelque chose que pour beaucoup de personnes, c'est. Mais qu'est-ce qu'il parle de ça? Mais qu'est-ce qu'il parle de ça? Enfin, c'est normal, quoi. On joue alors. Et qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a si on a en nous, dans notre sang, cette envie de jouer? Alors, on passe du bon temps. Quel est le problème? À qui ça gêne qui? Je comprends même pas pourquoi un rabbi parle de ça. Ça gêne qui? Que je joue. C'est mon fric. Je fais ce que je veux avec. Tu entends? Très bien. Et il te dit, regardez. Amé Amer, Goren Tsar Nora Lechol Kerovav. Celui qui joue, le joueur, va causer des souffrances innommables à sa famille. Ubifrat Lishto Veyeladav. Et surtout à sa femme et à ses enfants. Shainem Kalot Birotamet Kolashefa Azolech Liboud, même comme l'a dit Aléedem. Qui sont en train de voir que tout cet argent qu'il a gagné, à la place de venir chez eux, à la place de venir chez eux pour leur assurer un avenir, c'est tombé et c'est parti dans le néant. Mais à part cette idée, c'est que le joueur, il y a de fortes chances que son fils sera joueur. Le joueur a eu un père joueur. Pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Ça, premièrement. Deuxièmement, l'argent qui servit, qui va servir, qui doit servir à l'avenir de ses enfants pour les aider à se marier, à être tranquille, à commencer une vie paisiblement, elle est partie en l'air. Alpi alacha, keserf chez marvirim, meimurim, nikra gezel. Écoute-moi bien. L'argent qui vient des jeux s'appelle du vol. On va aller voir pourquoi. Velachene, c'est pour cela. Embo shum bracha. Il n'y a aucune bénédiction dans cet argent. Chacun le verra.
personne n'a profité de façon durable de cet argent. Il est reparti comme il est venu. Kimamon habaderet sinor meluchlach. De l'argent qui vient d'un tuyau qui est sale. En nehenim mimeno. Il n'y a pas de profit de cet argent. Rak sovli mimeno. Partagez ce cours. Partagez ce cours pour tous ces jeunes-là qui aujourd'hui pensent que c'est un concept. Mais moderne, sympa. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Partie de poker. Partie de poker, on fait ce soir. Allez, venez, on va faire partie de poker. Et tu rentres dans un satan qui va te brûler ta vie. Et celle de ta femme et celle de tes enfants. Ça rire la da'at. Alors, parce que voilà, là j'arrive à l'idée. Parce que c'est pas le tout de taper sur les joueurs. Regardez l'idée qui ramène le rave. On doit savoir, chez Rosh Hashanah, Kovrim la Adam, que le jour de Rosh Hashanah, on fixe à la personne. Kama yarviach be'otashana. Combien il va gagner cette année? Ve kama yafsid be'otashana. Et combien il va perdre? Toi, tu savais ça, Shimon? Ah oui, ah bah oui. Il est décidé. Il dit comme ça, les dougmas, par exemple. Kavrulo shiarviach kol hashana me'achamishim elef dollars. Il est gentil, l'orab. Il a été décidé dans le ciel que tu vas gagner 150 000 dollars. Tu entends, Olivier? Réponds amen. Amen. Ve kavrulo. Et ils lui ont fixé dans le ciel shiafsid me'shech hashana 30 000 dollars. Malheureusement, qu'il va perdre 30 000. Sur le 150 000, il va perdre 30 000. Admettons. Alors, attends, parce que... Non, parce que ce qui est énorme, c'est ce que vous allez écouter maintenant. Veine, et voilà. Les gabé machikavou, la dame l'arviar. Sur ce qui a été décidé que tu vas gagner, Shimon. Afilou, y'a assez, kol ishtadruyot baolam. Vihamer, bistabruyot, gdolot ou bichichou, vimiturkamim. Leolam, lo yuchal arviar, terme machikatsulom echamaim. Sache une chose, tu pourras faire toutes tes idées. Les meilleurs du monde, rentrer dans des embrouilles, les meilleurs, tu ne gagneras pas plus que ce qui a été décidé à Rosh Hashanah. Ça, c'est clair. Aval, mes 2 minutes. Mais oui. Non, 2 minutes. Ce que tu vas gagner, Shimon, ce que tu vas gagner est prévu. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'il dit sur la perte. On avait dit que c'est décidé dans le ciel qu'il va perdre 30 000 dollars. Et il dit, aval simoulev. Mais faites attention. Les gabé machikavou la dame nafsin, sur ce qui a été décidé à l'homme dans le ciel qui perdra, basé ou yachol afs, l'ifro, l'afsin yoter, mais machikatsouvlo, maman. Là, tu peux, toi, prendre dans ta béchira, dans ton libre arbitre, une décision de perdre beaucoup plus que ce qui a été décidé dans le ciel. Je répète, pour gagner, tu pourras monter et descendre, tu ne gagneras pas plus. À la fin de l'année, ce qui a été décidé. Mais par perdre, dans le ciel, a été décidé une certaine somme que tu vas perdre. Mais toi, tu as la béchira, le libre arbitre, de perdre beaucoup plus. Le type, il prend tout son argent, il ouvre la fenêtre, il jette. Il peut le faire, il n'y a aucun. Il perd tout. Et mieux encore que ça, cerise sur le gâteau. Pas seulement des pertes. Des pertes, tu peux décider sur les pertes et tu peux décider illimité l'argent que tu devras à des gens parce que tu as fait des prêts pour aller jouer, tu as fait des prêts pour aller faire des bêtises. ça n'a pas été décidé dans le ciel. Tu as ta béchira, tu as ton libre arbitre. Tu entends bien ce que je viens de dire? Gagner, tu ne pourras pas gagner plus. Perdre, tu peux perdre ce que tu veux. Verata. Et maintenant, Mimanafshach. Donc il en sort d'ici. Mima 1. À Rosh Hashanah, c'est décidé ce que tu vas gagner. Tu comprends, oui ou non? Mais non. Mais alors, mais Olivier, justement, regarde ce qu'il dit. Mimanafshach. Donc, il en sort d'ici. Imiafsid baimurim, s'il perdra dans le jeu. Ou alulafsid et kol rechou. Il peut tout perdre ce qu'il a et même ce qu'il n'a pas. Vegamim yarviar. Voilà. Et s'il va gagner, ou leolam jamais, il ne passera machekatsu vlo larviar. Ce qui a été décidé pour lui de gagner. Veitachen. Et mieux que ça, oui, mais je suis rentré dans une table de blackjack, comme ça s'appelle, blackjack, je suis rentré dans une table de blackjack et j'ai gagné une grosse somme. Il te dit, il est possible que tu es en train de gagner une grande partie de ce qui a été décidé que tu devrais gagner à Rosh Hashanah. Et alors, mais le pire, c'est que tu aurais pu gagner cet argent par un autre tuyau et qu'il aurait amené de la bracha cet argent. Or là, qu'est-ce que faisait un beau bracha?
Dommage. Sur les 150 000 dollars que tu devais gagner, t'en as gagné en une soirée 75 000. Tu dis, mais je me suis refait. Cet argent, de toute façon, tu devrais le gagner. Le pire, c'est que maintenant, elle est arrivée par un tuyau qui est sale. Il ne profitera pas de cet argent. Pendant qu'il a tout perdu. Qu'est-ce qu'il a gagné de jouer? Est-ce que tu peux changer ce qui a été décidé? En fin de compte, il te dit, il n'y a pas plus déconnecté de l'aïmouna que le joueur. Écoute-moi bien. Parce que si tu avais l'aïmouna, que ce qu'à Rosh Hashanah tu dois gagner, tu vas jouer. Oui, mais mon copain, il est parti, il a gagné telle et telle somme, j'ai envie de gagner ce soir moi aussi. Admettons, dans le meilleur des cas, que tu vas gagner cette somme. Cette somme, de toute façon, tu dois la gagner. T'as pas l'aïmouna? Mais non, je dois pas la gagner, cette somme, c'est pas possible. Je l'ai gagnée au jeu, c'était une grosse somme. Hamor, tu devrais gagner cette somme, mais maintenant elle est passée par un mauvais tuyau, tu profiteras pas de cette somme, tu vas la perdre. Tsarich la date, tu dois savoir. Shadam, lobar la baït le kaspo. Tu n'es pas le propriétaire de ton argent. Et la kesef shiyesh biyado, l'argent qu'on t'a mis dans tes mains, oufka detzlo, elle a été mise en dépôt. Mais et boré olam de Dieu, almenachi shtamesh bokirtson aboré, pour que tu te sers de cet argent selon la volonté de Dieu. Ve'ata, et maintenant, mitir la takratak. Qui t'a permis de prendre l'argent que Dieu t'a donné pour ta parnassa, c'est-à-dire pour faire des choses positives dans ta maison, avec ta femme et avec tes enfants, et de la mettre dans le jeu? Ninza, shekasher umehamer, ou gozel et tachefa achayar les benebeto. En mettant cet argent dans le jeu, tu voles la parnassa de ta famille. Puisque si Dieu t'a donné cette parnassa, c'est parce que tu avais une femme et des enfants. Et tu es en train de leur voler leur parnassa pour aller. T'es un voleur. Avant de commencer, t'es un voleur. Et il te dit, c'est de l'argent du vol. On l'avait dit au début. Quel argent du vol? Ouais, c'est mon argent. C'est mon argent. C'est de l'argent que Dieu t'a donné. Parce que tu as une femme et des enfants. Et en fonction des besoins de cette femme et tes enfants, Akadosh Baruch Hu t'a donné cet argent-là le jour de Rosh Hashanah. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cet argent, tu la voles à ta femme et à tes enfants et tu vas la mettre dans le jeu. Yeshnob Gamus Sarim Noram Od Beimurim. Je termine avec ça. Mais c'est pas ça. C'est terrible. Tu dis à Dieu, moi, Rosh Hashanah, tu as dû me prévoir peut-être, on va dire, un chiffre comme ça, 100 000 euros. Moi, je vais gagner 200 000. Tu ne pourras jamais gagner plus que ce qui a été dit. Et dommage, parce que même si tu gagnes 100 000 encore, et tu vas dire, bah, en fin de compte, j'ai eu 200 000, c'était 200 000 que Dieu t'avait donné déjà le jour de Rosh Hashanah. Mais le pire de l'histoire, c'est qu'il y a 100 000 qui passeront par un tuyau qui est sale. Ces 100 000-là ne t'amèneront jamais un moment de plaisir et de bracha. Ça sera toujours que des problèmes. Dommage. Mais tu sais pourquoi dommage? Parce que cet argent-là, elle n'a pas de bracha. C'est pas un argent qui amène de la bracha dans une maison. Sache-le. Tu sais pourquoi? Parce que de toute façon, il aurait dû avoir cet argent. Il aurait dû l'avoir par un autre métier. Dommage. Regardez, juste une chose. Il te dit, il y a déjà un problème de moralité. Mais de moralité catastrophique. Pourquoi il y a un problème de moralité? Allez, voilà. Ta réponse, là, voilà. Et il y a des gens que c'est leur métier d'être des joueurs. Il te dit, c'est un problème de moralité très grave. Pourquoi? Parce que dans la majeure partie des cas, le gain de l'un vient aux dépens de l'autre. Tu prends de l'argent, tu sors de la partie de jeu avec de l'argent. Cet argent, elle brûle dans tes mains. Tu sais pourquoi? C'est de l'argent d'une femme et des enfants dans une maison. C'est du sang. C'est du sang. Quand tu dis, j'ai gagné, c'est du sang. C'est des pleurs, c'est des larmes, c'est de la misère. C'est souvent de l'argent qu'il n'a pas, ce monsieur, et qu'il est parti emprunter et qu'il ne remboursera pas. C'est de l'argent qui brûle. Elle brûle les mains. Ah, c'était sympathique de jouer. Elle brûle les mains. C'est l'anti-juif, en fait.
Il dit, regardez, Veliritim, et des fois, Mafsid Gamet Kaspam Shelord Anashim, ce perdant, il a pris de l'argent d'autres personnes, des fois de ses parents, de ses proches, de sa famille. Il a emprunté, ou bien il a volé. Parce qu'il y a le vice. Deux minutes. Ve'echef Charles Adam ma'amin lehanot mi mamon ze. Hamegoal. Je peux traduire les mots. Et comment un homme qui a la emuna peut profiter de cet argent? Hamegoal bedam mamash. Qui est rempli de sang. C'est des billets qui sont remplis de sang. Un homme qui a ce vice, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier pour sortir de ce vice. Ça vient d'abord d'une chose. C'est que ce vice, il vient d'un problème maladif. De vouloir avoir facilement beaucoup d'argent. Quitte à avato la kesef, car cette envie de l'argent et des jeux, nova atmik fira, elle vient de l'athéisme. Chez no ma'amin, chez kol parnasato kitsuvalo min shemaya, il n'a aucune emuna que l'argent vient de Dieu. Tu n'as pas honte. Tu dis, je vais gagner une grosse somme, après je m'arrête. Il n'y a pas Dieu, il n'y a rien, il n'y a personne. Kfira kazot. Matoma, chez où ma mère, mais puis chez Rochef, chez Rochef, tête derrière, ça que je donne, il te dit quoi? Quoi? Tu vas avoir même une idée qui te passe dans la tête que peut-être Dieu veut t'envoyer à travers la table de Blackjack ta Parnassa? Pourquoi Dieu lui manque des tuyaux pour t'envoyer sa Parnassa? Il faut que tu passes par un club de jeu, par un club de jeu dans une maison où tu passes tes nuits. Je t'explique. Si tu joues avec des cartes, pas avec de l'argent, c'est un... Le problème, il est même si tu dis, mais je vais mettre un petit billet de rien. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, ils ont commencé par ces petits jeux. Mirila, Michael, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a jamais joué de sa vie rentrer un beau soir dans un gros club et qui s'assoit dans une table. Ça n'existe pas. Ça a commencé par comment? Par quoi ça a commencé? Par cette... Mais oui, des petites parties qu'on joue. Ça commence comment? Tu peux me dire comment ça commence? Ben c'est comme la première cigarette. Hein. Oh, la première cigarette. Oh, un petit plaisir, un petit kiff, on est avec des copains. Alors quoi? Alors on fait plus rien. Il te dit, Aïmoura Yechidi, j'arrive à ce que tu m'as demandé. Chez Moutar Meikaradin, le seul... Himour, comment on dit en français Himour? Hein? Le seul pari, pardon, que tu as le droit d'après la halakha, afapiche gamze eno beruach haTorah, tu as le droit, mais le ciel n'aime pas ça. Mais tu as le droit. Le seul, ou rak bederer shel agrala, c'est le loto. Shaza revach eno achreshbon ahefset shel azulat. Il te dit pourquoi? Il te dit, ok, tu veux jouer au loto? Alors comment tu joues au loto? Moi j'ai vu quelqu'un jouer au loto. Non mais il a mis, tu sais comme il a mis, une somme, je ne veux même pas vous dire, t'as manqué, c'est honteux. Alors là, regarde ce qu'il te dit. Et madame Rotsé, Sheikne Achvera Kartisechad, tu as la imuna? Que peut-être Dieu parle à la loterie, bon la loterie c'est la loterie nationale, c'est pas sur le compte d'un pauvre type ou d'une pauvre femme, la loterie, et même ça, il te dit, achète un seul billet. Mikivan Shachem Koveya, Mishadamis Kibepras, parce que c'est Dieu qui décide qui va gagner. Et si Imurot Selefarnes Otobo Fanze, si Dieu il veut le. Il dit attention, c'est même pas Ruach HaTorah. La Torah n'aime pas ça. Eh bien, si tu veux. Il te dit, si Dieu il veut, alors il fera que ton billet, quand tu as acheté un seul, il sera gagnant. Et sinon, non. Mais il te dit, tu ne dois pas. Mais Olivier, il te dit, tu ne dois pas aider Dieu, il n'est pas fatigué. Non, je vais acheter 50 gris. Qu'est-ce que tu fais?
Tu as la Emouna ou tu n'as pas la Emouna? Parce que si tu as la Emouna, tu achètes une grille. Non, mais peut-être que des fois, Dieu, il voit trouble. On a, voilà, on a plus de chance. La reine, il te dit, Zéo Mifrana Emouna Shelo. C'est ça la Emouna. C'est ça ton parcours de Emouna pour savoir si tu as la Emouna. Si vraiment tu es convaincu que c'est Dieu qui décide ta parnassa, achète un seul billet. Et s'il n'a pas gagné, dis c'est Hachem qui n'a pas voulu. Et s'il n'a pas cette ashgacha, s'il n'a pas cette providence en lui de comprendre la providence divine, il pense que en achetant plus de tickets, eh bien, il aura plus de chance. It mazel mazalo. Il aura du mazal. Et il perd son argent pour rien. Et mieux que ça, Malé, Betikvot, il dit, j'en ai acheté là une tonne de gris. Je suis sûr que je vais gagner quelque chose. Et puis, il arrive chez le buraliste. Il met ses machins, il dit zéro. Il sort, il énerve. Il est énervé contre lui. Il est énervé contre le banque. Il est énervé contre tout le monde. Il est énervé contre tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Je termine. Il dit comme ça. Il dit, Rakadam Sheshlo Emouna Shelema, un homme qui a la Emouna totale. Yeshlo Kelim Likabel Shefa Gadol, il a les ustensiles pour que sa parnassa devienne très grande parce qu'il a la Emouna. Ou Yodea Shakesefeno Shelo, il sait que l'argent n'est pas à lui. Elle est de Dieu. Et Nomid Gaé, quand il a gagné, il ne s'enorgueille pas. Il sait que l'argent qu'il a dans ses mains, c'est un dépôt. Un dépôt. Tu sais qu'est-ce que la Torah dit? Quand il y a quelqu'un qui est devenu riche, c'est parce que dans un endroit dans le monde, quelqu'un est devenu pauvre. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, à toi, il a décidé que la roue, elle tourne de ton côté et il te met à toi cet argent-là. Pour faire quoi? Shimush Hagoun. L'argent, c'est sacré. C'est sacré, elle n'est pas à toi. C'est pour ta femme, c'est pour tes enfants, c'est pour ta famille, c'est pour des pauvres, c'est pour des mitzvot, c'est pour beaucoup de choses. Ou noter les tabasrot, il donne le maaser, ou mashkia baasakim. Il fait attention de bien investir. Il fait attention parce que l'argent qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans nos mains, c'est pour nous permettre d'accomplir paisiblement les mitzvot, de faire grandir nos enfants paisiblement. C'est pas de la jeter. Dans une des choses les pires dans le monde, qui est celle du jeu. Béhémet, hein, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de ça. Mais moi, je vous demande une chose, Béhémet. Quand vous voyez des jeunes jouer, déjà, essayez de les en dissuader, de les avertir, de ne pas tomber dans ce vice. C'est un vice qui brûle la vie de la personne. Elle ne lui laisse rien, ni sa femme, ni ses enfants, ni quelqu'un de proche de lui, parce que les gens ont peur de lui. Tu sais pourquoi ils ont peur de lui? Ils ont peur de lui parce que ils savent que même s'il va demander un prêt, il ne le remboursera jamais. Et il est là toute sa vie en train de se dire, je vais me refaire. Qu'est-ce que tu vas te refaire avec un tuyau qui est sale? Il n'y a pas plus pire que ça. Mais mettre une grande réflexion, mais va kaja de faire teshuva et de se sauver de ça et de ne pas donner à nos enfants, de ne pas donner à nos enfants cette culture à la maison du jeu des tables. On joue à autre chose, prenez un Monopoly, j'en sais rien moi. Pas la culture du jeu de cartes. C'est quelque chose de trop dangereux. Pire, il le dit le Rav, pour s'en sortir, pire que la drogue. Pire que la drogue. Hachem et Rachem, en vous souhaitant Bezrat Hachem, une très bonne journée. Amen, Kenny Ratson. Je te l'envoie ce Bezrat Hachem. Dans la brachel Hatzlacha.